Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 22 février 2020. Les principaux sujets que je traite sur cette humble chaîne d'éducation populaire sont la philosophie, la spiritualité et la politique. Aujourd'hui, je commence une nouvelle série intitulée « Exopolitique ». Cette nouvelle série consiste à étendre le sujet de la politique au-delà des frontières terriennes. En d'autres termes, je vais parler de civilisations interférant avec notre humanité. Ce qui d'ailleurs a un impact sur les autres sujets de spiritualité et de philosophie dont je parle sur cette chaîne. Commençons. Le terme exopolitique est composé de deux parties. Exo, qui veut dire extérieur à, et politique, qui n'est rien d'autre que l'organisation de la société. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais le rappelle ici encore. La politique, ce n'est pas le dévoiement de ce qu'en font ce que l'on appelle les politiciens. La politique n'est ni un spectacle, ni un concours d'ego. L'étymologie du mot politique vient du grec politikos, qui signifie la cité. La politique, c'est donc l'organisation de la cité, du pays, notamment dans ses rapports avec d'autres pays. Dans ce cas-là, cela s'appelle la géopolitique. Géo, qui signifie la terre. Donc l'exopolitique, c'est ce qui concerne les relations des sociétés humaines, terrestre avec d'autres civilisations non terrestres, donc extérieures, d'où le préfixe exo, extérieur à. Dit plus simplement, l'exopolitique, c'est l'organisation des relations humaines et extraterrestres. Je le rappelais en début de vidéo, cette chaîne est un humble média d'éducation populaire. Or, nous ne sommes pas tous au même niveau de connaissance selon les sujets. En l'occurrence, sur les extraterrestres, il y a celles et ceux qui connaissent le sujet et celles et ceux qui l'ignorent. Qui l'ignorent au double sens du terme, au sens qu'ils ne savent pas et au sens qu'ils rejettent le phénomène, considérant que c'est un non-sujet. Je veux m'adresser au plus grand nombre. Pour ce faire, il me faut donc apporter des éléments de nature à convaincre les plus sceptiques. C'est le but de ce premier volet. Pour aborder un sujet aussi controversé, l'approche scientifique et militaire me semble la plus appropriée, pour passer au-delà des digues intellectuelles des plus dubitatifs. C'est donc par ces voies que je vous propose d'aborder le sujet de l'exopolitique. Mais avant d'aller plus loin, il me faut aborder un fait. Trop souvent, le phénomène ovni ou extraterrestre est perçu par le biais de la croyance ou de la non-croyance. Ceci est notamment dû à notre rapport à la spiritualité, religieuse donc dogmatique, ou notre rapport à la science, matérialiste actuellement. À cause de la religion, manifestation de notre immaturité, nous avons tendance à croire aveuglément, croire plutôt que comprendre. Et à cause de notre conception matérialiste du monde, nous avons à l'inverse le travers d'ignorer ce qui n'est pas évident sous nos yeux. Bref, notre stade d'évolution, notre culture et la conformité au milieu social exercent sur notre esprit critique des obstacles cognitifs, sorte de cécité intellectuelle. La preuve, c'est qu'il suffit de prononcer les mots de « ovni » ou « extraterrestre » pour déclencher rire, moquerie, dérision, et donc la fermeture instantanée et quasi épidermique du raisonnement. J'énonce ce fait dans l'espoir de déclencher chez vous une analyse introspective. Est-ce que j'ai une attitude raisonnée et scientifique à l'évocation du sujet? Ou est-ce qu'un réflexe pavlovien induit par le conditionnement socio-culturel vient obstruer ma pensée? Posez-vous la question. Ces préalables posés, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Mais sans sensationnalisme. Vous ne trouverez pas de ça sur cette chaîne. Ici, je veux traiter le sujet comme j'aborde tous les autres sur cette plateforme, sérieusement. La communauté scientifique subit le même conditionnement socio-culturel dont je parlais plus tôt. Parfois même doublement, religieux et matérialiste. Oui, curieusement, ce n'est pas incompatible. Malgré tout, les consciences évoluent. C'est ce qu'illustre le document vidéo que je vous propose en guise d'entrée en matière. Il s'agit d'une interview du scientifique Philippe Guillemant que je vais vous présenter. Interview conduite par Patrice Pouillard, créateur de la boîte de production et chaîne YouTube BAM Investigation. L'entrevue est longue mais très intéressante, surtout par la qualité et l'autorité scientifique de Philippe Guillemant et des sujets abordés. Sujet de la conscience, de l'expérience de mort imminente, de la synchronicité et en dernier lieu des ovnis. Je vous lis le début de la biographie de Philippe Guillemant pour vous le présenter. Philippe Guillemant est un ingénieur physicien français diplômé de l'École Centrale Paris
et de l'Institut physique du Globe. Il est directeur en physique et habilité à diriger des recherches. Il exerce son activité au CNRS, où il est ingénieur de recherche hors classe. Spécialiste d'intelligence artificielle, ses travaux ont débouché sur la création de deux entreprises innovantes licenciées par le CNRS, Synapsis et Uratech, qui lui ont valu plusieurs distinctions, dont le cristal du CNRS. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'un scientifique qui a bien les pieds sur terre et qui est bien intégré et reconnu par la communauté scientifique. Donc il me semble que même les plus sceptiques d'entre vous peuvent accorder 2 heures et quelques de temps pour entendre une expression raisonnée du sujet que je m'apprête à développer dans cette série. Je vous recommande vivement cette excellente interview qui montre l'évolution de la position de la communauté scientifique sur ce sujet de moins en moins controversé. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous trouverez tous les liens des sources mentionnées dans la description. Comme d'habitude, vos commentaires respectueux sont les bienvenus. Et comme toujours, je vais terminer par le triptyque républicain. Liberté, égalité, fraternité, vive la France et vive l'étude scientifique des phénomènes tabous. J'ai récemment eu la chance de bavarder avec Philippe Guillemant, un courageux physicien qui n'a pas peur d'exposer ses idées et de braver les croyances avec une théorie audacieuse. Ingénieur spécialisé dans l'intelligence artificielle, dans cet entretien sans langue de bois, il aborde les raisons qui l'ont poussé à penser différemment. La conscience est corrélée avec l'activité cérébrale, mais ça ne veut absolument pas dire que l'activité cérébrale cause la conscience. Énormément de physiciens ont compris que l'information était un concept fondamental en physique et que ça devait nous obliger à voir notre réalité plus comme ce que pourrait créer un vaste ordinateur, comme dans Matrix, que quelque chose qui existe extérieur à nous. Il n'y a pas de séparation entre le futur et le passé. Tout est simultané, c'est-à-dire que ce qui arrive dans le futur arrive maintenant et ce qui arrive dans le passé arrive maintenant. Il faut être capable de faire la part du vrai et du faux. Il y a des choses vraies dans les phénomènes inexpliqués et c'est dommage que les scientifiques ne s'intéressent pas à ces phénomènes-là. Il y a un cloisonnement, un communautarisme et un formatage qui sévissent énormément. Même un prix Nobel peut avoir une vision de la réalité complètement étriquée à cause de ça. Dans des domaines où la science devrait rester fondamentale, comme tout ce qui touche au vivant, eh ben, je suis désolé, mais les recherches en pharmacologie, etc., ça ne va pas dans le bon sens. Parce qu'au lieu d'aller dans le sens où on va comprendre la nature de l'humain, ça va dans le sens où on va développer des technologies qui vont nous emmener vers le transhumanisme. Et ça, ça ne va pas du tout. Aujourd'hui, ce n'est plus la science qui a le pouvoir. Ça n'a jamais été d'ailleurs vraiment la science, les scientifiques n'ont jamais eu le pouvoir. C'est l'industrie, c'est les multinationales, c'est les grands groupes, c'est même plus les États. Aujourd'hui, on est dans une société qui a complètement rendu l'homme esclave en tant que consommateur et qui a intérêt à l'empêcher d'accéder à l'information, à la culture, pour maintenir cette rentabilité. D'accord ? Donc, ne disons pas que... c'est vouloir se rassurer que de vouloir sortir de ce système-là. Le mot ne convient pas. Il ne s'agit pas de se rassurer, il s'agit de se trouver. Et autre sujet abordé librement, pour en finir avec une pensée binaire qui nous empêche de parler et de réfléchir correctement. C'est ici, c'est maintenant, c'est parti pour cette première cause en compagnie de Philippe Guillemant.